Bonjour à tous, on est en direct depuis Blagnac, près de Toulouse, où le lycée Saint-Exupéry est en feu. Où le lycée a pris feu, les pompiers sont en train d'éteindre l'incendie plus exactement. Voilà, je vous rappelle qu'aujourd'hui est une journée de manifestation lycéenne. Des lycéens et des étudiants manifestent toute la journée en Haute-Garonne. Et visiblement, il y a eu quelques incidents, et un incendie du coup, du côté de Blagnac. Voilà, vous voyez les pompiers déployés un petit peu partout, les élèves qui sont rassemblés au loin. Voilà, on est aux premières loges, vous pouvez voir les dégâts. Le bâtiment est dans un sale état. Alors c'est le bâtiment central, c'est l'entrée. A priori, il n'y a pas de blessés selon les autorités. Mais ça reste à vérifier. Voilà, je vais essayer de bouger un petit peu. Je suis un petit peu restreint dans un carré pour vous faire vivre ces événements. Voilà. Et les pompiers qui se ressourcent. Ça. Je pense que les pompiers sont intervenus très rapidement. Sinon. La situation aurait été bien pire. Voilà, vous pouvez admirer. Donc il y a des pompiers de chaque côté. Hein. Chaque côté du bâtiment. Voilà, les enfants, les élèves plutôt, sont de l'autre côté. De la route, un important dispositif de sécurité a été mis en place autour d'eux pour éviter que personne ne s'approche du lycée. Voilà. Ils nous ont laissé approcher pour vous permettre de voir ce que ça donne sur Actu Toulouse. Je suis désolé si ça bouge un petit peu. J'ai pas mal couru pour être honnête, donc ça peut trembler un peu. Passez derrière les camions. Passez derrière les camions. Oui, il n'y a pas de souci. Vous passez derrière les camions parce que là, c'est okay. Le chantier pompier. Voilà, bon, les pompiers m'ont demandé de passer derrière les camions. Donc, on va filmer ça de loin. Un peu plus loin. Voilà. Donc, il y a des pompiers de partout. On ignore pour l'instant le bilan, que ce soit, on va dire, matériel ou humain. Mais a priori, je dis bien a priori, il n'y a pas eu de blessés, selon ce que m'a dit la responsable des services de police tout à l'heure. Voilà, donc on va faire le tour du lycée, où ça a l'air un petit peu dégradé de l'autre côté aussi. Je ne sais pas si on va arriver à passer, je ne connais pas trop les lieux. Voilà, vous voyez les pompiers de ce côté aussi qui interviennent. Bon, on voit pas grand chose. Visiblement, le sinistre a été contenu au premier bâtiment. Hein. Voilà, je dis ça sans avoir d'assurance précise. J'ai pas pu faire le point complet avec les autorités à l'heure actuelle. J'espère que vous m'entendez bien, il y a un petit peu de vent.
Voilà, donc je vous rappelle, si vous nous rejoignez, que nous sommes à Blagnac, au lycée Saint-Exupéry, Blagnac, patrie de l'aéronautique. Vous le voyez par là, ou pas. Donc il y a un incendie qui s'est déclaré tout à l'heure au lycée de Blagnac. Comme vous pouvez le voir, c'est le bâtiment central qui a été endommagé. Je peux juste faire une ou deux images ? Non, mais c'est bon, un petit peu. Ok. C'est passé, maintenant bon. C'est fini. Voilà, c'est la fin du direct. Merci à tous. Monsieur. Au revoir.